mes ludopathes préférés. On est là pour vous parler de djinns, un jeu avec du déplacement, de la gestion de ressources, et on va devoir capturer des djinns et les mettre dans des bouteilles. Est-ce que c'est beau? Eh ben, ça dépendra des goûts de chacun. Moi, je trouve le jeu, bon, l'adaptation artistique et on va dire simple et efficace en termes d'iconographie. La couverture, il y en a qui diront c'est incroyable d'originalité, d'autres qui diront je ne peux surtout pas ça dans ma ludothèque. Bon, ça peut arriver. Moi, ça me dérange pas trop. Ce que j'ai trouvé vraiment très laid, c'était les cartes mages qui, quand ils ouvrent la porte, ils apparaissent là sur les cartes et quand vous les voyez, vous n'avez pas vraiment envie de leur ouvrir la porte. À ces mages-là, ils ont des têtes vraiment pas possibles. Mais sinon, je trouve qu'ils ont fait un effort très bien sur le matériel. Les petites figurines de génie sont bien, les petites bouteilles. Le dessin est facile, les couleurs sont bien choisies, moi je trouve ça va. C'est lisible, c'est beige. Il y a quelques clins d'œil au monde du jeu. Bon, il y a une page qui est dédiée là-dessus sur BGG. Les dessins sont vraiment laids à mes yeux. Enfin bref, c'est Halloween tous les jours quand on regarde les sorciers. Ça fait peur. Mais c'est moche, mais c'est fonctionnel. Vraiment fonctionnel. Et en plus, c'est modulaire. On en a un petit module partout. Quand je dis modulaire, c'est que on va avoir des changements de partie en partie. C'est plutôt agréable. Et tout est rappelé sur le plateau ou les plateaux des joueurs. Alors, pas forcément bons endroits, mais ça permet de ne pas ressortir la règle. Ça, moi, j'apprécie beaucoup. C'est un jeu qui est plutôt simple, en fait. Ouais, il est pas très dur à expliquer. Il y a 6 actions, avec des actions simples et des actions avancées, bonusées, on va dire. Les 6 actions, elles sont... L'icono est marqué sur le plateau. Une fois que vous avez compris l'icono, c'est extrêmement simple de comprendre ces 6 actions-là. Donc, oui, le jeu s'explique rapidement et facilement. J'ai pas l'impression qu'il soit d'une complexité folle. Oui. Je suis d'accord avec toi, c'est simple dans ses règles, c'est dans sa réalisation que ça va être plus compliqué d'arriver à une optimisation vraiment aux petits oignons. C'est simple, hein, tu déplaces ton sorcier d'un lieu à un lieu suivant, tu appliques l'action, on n'en parle plus, tu l'habilles avec son costume, tu lui prends un joli set, des jolies chaussures, ça lui gonfle ses performances, tout ça. Tu fais tes achats, tu remplis ta mana, tu viens choper un Majin, enfin, c'est un peu plus simple. La difficulté, comme je le disais, elle va être dans optimiser son parcours pour générer un maximum de points et pas perdre une seule ressource ou ne pas en gaspiller pour la fin de la partie. C'est en ça que on va avoir, j'allais dire, quelque chose qui va permettre de le jouer assez facilement avec des gens jeunes, j'ai envie de dire, ou des gens plus expérimentés, mais il faut que la table soit à peu près équilibrée, qu'elle soit du même niveau. Oui, quelqu'un de débutant dans le jeu de société, je pense qu'il va quand même bien comprendre les tenants et les aboutissants du jeu, ce qui est parfois compliqué dans certains jeux. Là, c'est relativement simple, vous demande de capturer des djinns, vous comprenez qu'il faut le faire, et c'est ça qui va vous rapporter un maximum de points. Il n'y a pas 15 000 objectifs partout sur le plateau, ou 15 000 choses à gérer, donc c'est en ça que on peut se dire et il peut convenir à une population un peu plus importante que juste un jeu initié, quoi. Oui, ça reste une programmation qui est déguisée. Il faut organiser dans sa tête au mieux ses déplacements, on l'a dit. Ça s'explique en 20 minutes. Quelque part, moi, il me fait penser à Istanbul, dans une version peut-être plus light, un peu différente, c'est vrai, mais il me fait penser à Istanbul. J'y vois une filiation. Et cet effet, on va aller dans différents quartiers ou dans différentes zones de la ville pour en effet récolter les quelques ressources et faire les actions pour dépenser ces ressources. C'est vrai que ça ressemble de ce point de vue. Oui. Après, en termes d'interactivité, pour moi, il n'y en a pas énorme. On va jouer à saute-mouton avec un autre sorcier, ou alors lui payer une pièce, si on arrive sur le même endroit que lui. C'est vraiment très, très limité, c'est quasi nul. C'est pas le jeu où on va chercher la confrontation, alors vraiment pas. Non. En effet, on passe quand même beaucoup de temps à observer ce que font les autres. Ça gâche un peu la surprise du jeu, parce qu'évidemment, si vous voyez quelqu'un qui a 3 bouteilles orange, vous allez comprendre qu'il va capturer ce genre de djinn-là. Donc, est-ce que je suis en concurrence avec lui ou pas? On voit un peu près ce que font les autres, mais il faut quand même regarder. Et évidemment, l'interaction sur la ville, où là, quelqu'un qui se met sur l'action que vous voulez faire va vous forcer peut-être à payer une pièce. C'est vrai que là, bon, bah, vous regardez un peu ce qui se passe quand même. Oui. À noter, il y a quand même là quelque chose que j'apprécie, de l'asymétrie qui est introduit avec un bonus et un malus que chaque joueur va choisir au début de la partie, et puis des objectifs publics qui viennent aussi modifier un petit peu le déroulement d'une partie à l'autre. C'est agréable. Cependant, ça me donne pas plus envie d'y jouer que ça, d'y rejouer que ça. J'ai fait le tour, on en a fait quelques parties quand même.
J'ai pas vraiment envie d'y revenir. J'en ai soupé. C'est pas que ce soit pas le jeu du siècle. Loin de moi cette idée-là. Mais bon, j'ai fait le tour, quoi. En effet, ce petit bonus malus, ça amène cette asymétrie qui est assez rigolote. Surtout le malus, vraiment, est là pour vous enquiquiner. Mais bon, finalement, ça amène pas. C'est pas un game changer parce que c'est jamais complètement bloquant. Le malus et le bonus vous aident un peu, mais voilà, on arrive toujours à tourner autour. Donc c'est pas une contrainte très très forte, quoi. Mm-hmm. Moi, de mon côté, c'est vraiment un jeu où il y a deux sensations très différentes, qu'on est à 3 ou à 4 joueurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu vous force, dans une sorte de programmation et de déplacement sur la ville, à enchaîner des actions bonusées et des actions simples. Donc vous en faites une forte, puis ensuite une simple, une forte, une simple, une forte, une simple. À 3 joueurs, on évite vraiment de se marcher dessus, parce qu'on ne veut pas donner à l'occasion à un joueur de faire une action forte et ensuite de vous sauter par-dessus à saute-mouton et de faire une deuxième action forte, parce que ça, ce serait rédhibitoire pour la partie. Le problème, c'est qu'à 4 joueurs, ben, ce genre d'attention, on ne peut pas l'anticiper, et les ouvertures de coups à des joueurs expérimentés qui vont enchaîner comme ça les actions fortes, ben, c'est vraiment problématique, quoi. Alors qu'à 3 joueurs, on peut toujours dire attention, là, faut pas faire ce coup-là parce que tu ouvres une opportunité à quelqu'un, je change ton coup éventuellement. Mmh. À 4, c'est impossible. Il peut même y avoir des déplacements à travers la ville assez importants en faisant plusieurs sauts de mouton et du coup enchaîner des actions qui normalement sont impossibles à enchaîner, quoi. Oui. À mes yeux, il y a trop de downtime, alors c'est encore pire à 4. Ouais. C'est un jeu qui est vraiment simple. Mon seul plaisir, ça va être de chercher l'optimisation. Il a plein de qualités que je ne vais pas lui retirer. Il aura cette force de pouvoir s'adapter à une table familiale ou une table avec des gens très calculateurs qui vont tous chercher l'optimisation. Ça peut être intéressant de le jouer dans cette configuration-là. Du coup, moi, je vais lui donner une jolie moustache. Une jolie moustache ? Oui. Ok. Ouais, bah, moi j'aime bien le jeu parce qu'il se passe des petites choses autour de la table quand même, ça fait râler. C'est sûr que c'est simple, on va récolter des ressources, des bouteilles, des bouchons pour emprisonner ces choses. Et c'est sûr que bon, on se fait piquer ses jeans juste avant, on veut aller au marché, au moment où on va au marché, une personne y allait juste avant et l'action qu'on voulait faire est devenue payante. Donc voilà, donc ça peut entendre râler autour de la table, mais il n'y a pas non plus une révolution de dingue, ça reste... On prend un maximum de ressources. Évidemment, plus vous aurez de ressources, plus vous pourrez faire de choses derrière. Et généralement, la personne qui a enchaîné les meilleures ressources va gagner la partie ou pas loin. Parce qu'il y a quand même une course. C'est-à-dire, à la fin, le nombre de génies disponibles s'épuise. Et puis, il y a une course aux objectifs. Le premier qui le fait, il gagne à chaque fois des petits cadeaux. Donc, celui qui va voir bien accélérer au début va gagner. Donc, moi, du coup, c'est plutôt, on va dire, une barbe courte. Parce que j'aime bien l'ambiance qu'il y a eu autour de la table et ce que ça a généré. Maintenant, c'est sûr que... Il n'a pas la petite étincelle qui fait qu'il révolutionne le genre. Oui, on va attendre qu'il soit rethématisé dans une version Drag Race. Ça serait nettement plus intéressant. Éventuellement. Voilà. Sur ce, ciao. Salut.